Je me trouve dans des catacombes infestées d'araignées. Le secrétaire général Moskvin ne me semble pas du tout être l'araignée en chef. Ce titre revient manifestement au général Corbut. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête. Qu'est-ce que Lesnitsky lui a rapporté de D6? Qu'est-ce qui va détruire les ennemis de la Révolution? Encore des questions et aucune réponse. Une seule chose est claire. Pavel a des informations sur le sombre. Ce qui fait de lui ma cible actuelle. Toi-même, je vais aller me mettre dans un coin. Tu fais déjà dans ton froc? Alors admire un vrai mec. Bah, si t'es un vrai mec, pourquoi tes mains tremblent? Les mains, ça compte pas. L'important, c'est que tout le reste ne tremble pas. Ok. On se calme. On se calme. Quoi? Le fil rouge. Le fil... Vous demandez une patrouille, puis vous voulez que je reste là? Allez, c'était pas... Deuxième poste, répondez! Deuxième poste! Deuxième poste! On n'est pas des fachos. Les flingués, d'accord, mais on crame pas les gens vivants. Quelle chance, Barbe! Dirais-tu? T'es devenu dingue? Vous ne parlez pas des réfugiés? Quels réfugiés? Laissez le service spécial s'en occuper. Je parle de vrais rats, avec des poils et tout. Ils se sont multipliés très vite. Alors nettoyez-moi ça, et que ça saute! Oui, chef. Couillon s'est fait écraser par une grue la semaine dernière. Non, il a perdu un œil quand un câble a lâché. Ça, c'était le mois dernier. Je parle de la semaine dernière. Ah, maintenant je comprends pourquoi il nous saoule avec la sécurité. Tout à fait. Qui va bosser si tout le monde est mis hors circuit? Bah ouais. J'aimerais bien qu'il répare cette putain de radio. Ça me met mal à l'aise, tu sais.
à l'hôpital. Mais tu peux me croire, c'est le seul truc qui m'a gardé en vie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi, t'es pas au courant pour le pont? Je connais bien l'endroit. J'ai servi là-bas pendant un temps. Bah, l'année dernière, on a eu un sacré gros pépin. Les gars ont dit que quand ils ont pris la relève, toutes les sentinelles de notre côté du pont étaient mortes. Alors le lieutenant a envoyé des éclaireurs au poste facho de l'autre côté. Ils sont revenus en disant que c'était la même merde. Leurs bottes étaient couvertes de rouge, Fedia. Comme s'ils avaient traversé une rivière de sang. Qui a pu massacrer autant d'hommes? En tout cas, c'est sûr, c'était pas humain. Ça devait être la créature que certains appellent le pisteur des rails. Un des gars l'aurait soi-disant énervé en enlevant un boulon sur une jonction. C'est ridicule. Si c'était pas le pisteur, l'histoire est encore plus dingue. C'était sûrement un détachement spécial de police ou de Hansa. Comment un détachement spécial pourrait passer inaperçu? Mais un seul type, c'est possible. Il paraît qu'un traître a fait passer une sorte d'espion sur la ligne de front via Arsenal dans une résine. Mais 30 mecs? Non, c'est trop compliqué. On saura jamais. Pourtant, ça s'est bien produit. Ils ont triplé la garde sur le pont depuis. Ce qui me fait penser, tu devrais aller faire un tour dans le campement pour être sûr que personne nous prenne par surprise. Ok, je le ferai. J'ai rien de mieux à faire de toute façon. Hein ? Hein ? C'était quoi ça ? Ma blessure se réveille. Je ferais bien de demander des médocs au médecin. Si ça continue, on va briller comme des stalkers. Ferme-la, c'est notre boulot. Estime-toi heureux de ne pas avoir récupéré cette merde à la surface. Est-ce qu'il y a d'autres livraisons prévues aujourd'hui? Non, c'était la dernière. Super, alors je vais faire une pause clope. Faut pas que tu traînes. C'est ce qui arrive à ceux qui osent rater la peine. Température de l'échangeur. Nickel. Vitesse du compresseur. Ok.
Bien, je note. Je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'un espion arrive dans mon dos pendant ma garde. Oh putain, les boules. Voilà, je suis prêt. Ok. Occupons-nous de celui-là. Poste de garde. Faut que j'en parle au sergent. Réaction du gaz de synthèse. Ça roule. Émission de méthanol au séparateur. Ok. Vitesse du compresseur. Normal. Cadence du flux. Nickel. Température de l'échangeur. Ça va. État du catalyseur. Terminal. Bien, je note. Et à la croisière. Bientôt revenir de leur garde. Pas moi aussi. T'as déjà été de garde là-bas? Ouais, ça fout les jetons. La station est proche, et à la mitrailleuse, le projecteur et tes camarades près de toi. Mais il suffit d'entendre un bruissement dans les toiles d'araignée pour que ça glace le sang. Vous pouvez pas brûler les toiles? Qu'est-ce que je fais? On le fait tout le temps. Mais en quelques semaines, ces foutues bestioles recouvrent à nouveau toute leur merde. Putain, c'est vraiment des saloperies. On pourrait peut-être juste sceller la porte et oublier tout ça. Et si jamais on doit aller à Venise rapidement, comment on fait dans ce cas?
traverse Hansa en train. Ah, laisse tomber. La seule façon, c'est de monter la garde ici. Fasse gaffe à pas laisser l'ennemi me surprendre. Tourne le dos pour vendre ses merdes à Hansa. De toute façon, vaut mieux pas que les huiles t'entendent. Si t'en dis trop, c'est toi qui porteras le chapeau. Bouge pas, je t'écrase la cervelle. C'est pas vrai. Artyom, c'est vraiment toi.